Ils le perçoivent comme un péché en affirmant que la diaspora est une punition divine et que Dieu seul peut décider du retour du peuple juif en Terre Sainte par l'arrivée du Messie. Herzl dit « Il faut séparer la religion de l'État. On ne laissera pas les rabbins nous diriger. Qu'ils restent dans leur synagogue, mais qu'ils ne nous disent pas quoi faire. » Le sionisme représentait la volonté de se libérer des entraves de la religion et de créer un homme nouveau et une nouvelle société au pays d'Israël. C'est lors du 7e congrès international sioniste tenu en 1905 que la Palestine a été définitivement choisie pour l'établissement d'un foyer juif, après que l'Ouganda et l'Argentine aient été envisagées. C'est le premier congrès organisé depuis la disparition de Herzl, mort un an plus tôt. Un de ses membres, Itzhak Epstein, prend la parole à la tribune. Nous avons oublié un petit détail. Il y a sur notre terre bien-aimée une nation entière qui l'occupe depuis des centaines d'années et n'a jamais envisagé de la quitter. Nous sommes en train de commettre une grave erreur psychologique. Le président de l'Union des synagogues de Grande-Bretagne avait écrit à Herzl « Je tremble à l'idée de la fondation d'un petit, tout petit État juif qui deviendrait un ghetto ».